Promouvoir les pilotes, ou tout simplement permettre à des passionnés de sport automobile de s'exprimer, c'est le double but que Renault et Elf poursuivent depuis de nombreuses années. Le Renault Cross Elf en est un des exemples les plus évidents. Ici, on court avant tout pour le plaisir et pour la fête. Plaisir de se battre elle contre elle au volant de voitures identiques, de maîtriser la terre et les bosses, mais plaisir qui n'exclut pas pour autant la concentration. En Formule 1 ou en Renault Cross, l'instant qui précède le départ est toujours un moment de tension. Avec la Coupe de France Renault 5 Elf Turbo, on ne peut s'empêcher d'avoir à la fois un œil sur le passé et un autre sur l'avenir. Voilà 20 ans déjà que la fameuse Coupe Gordini nous fait vibrer. On ne compte plus les pilotes de Renault qui ont fait leur classe dans la Coupe Gordini. Si bien que cette Coupe est aujourd'hui une véritable référence en matière de sport automobile. Une référence qui restera d'actualité dans les années à venir, car à la régie et chez Elf, on s'efforce de peaufiner à chaque fois une version coupe de la nouvelle Renault. Ainsi, avec la Renault 5 GT Turbo, les jeunes loups pourront continuer à se faire les dents. De tous les moyens mis à la disposition des jeunes voulant faire carrière, les écoles de pilotage Renault Elf sont sans doute les plus efficaces. À condition, bien sûr, d'être parmi les meilleurs. Devenir pilote Elf à la fin du cours, c'est entrer par la grande porte dans la formule Renault. 639. Mais c'est aussi appartenir à la filière Elf. Une filière qui peut s'enorgueillir de quelques beaux succès à l'actif de pilotes qui ont nom Pironi, Tambay, Prost, pour ne citer que. L'école de pilotage, c'est l'assurance d'un apprentissage sérieux de la conduite d'une monoplace. C'est aussi l'occasion de juger de ses possibilités. Les plus rapides seront conviés à la finale sous la sentence du chronomètre et des anciens qui composent la plus grande partie du jury. Des exemples à suivre. La formule Renault. Elle a déjà brassé un nombre considérable de pilotes et de constructeurs. Coupe Gordini et Formule Renault furent longtemps les étapes obligatoires dans l'ascension vers les sommets. C'est encore vrai aujourd'hui, grâce entre autres à la sélectivité de la monoplace. Groupe propulseur et pneumatique identique pour tous, châssis libre,
mais strictement réglementé quant à sa structure et ses dimensions. Au pilote de faire la différence. Profitons une dernière fois du spectacle de ces Renault 5 Turbo 2 en furie. La coupe européenne se courra dorénavant avec la nouvelle Renault Alpine V6 Turbo. Toujours en ouverture des Grands Prix européens et toujours aussi ardemment disputée par un plateau d'excellents pilotes internationaux. À mi-chemin entre la Formule Renault, considérée comme la meilleure formule d'apprentissage de la monoplace, et la Formule 1, la Formule 3 est une étape capitale. Elle place le pilote dans un contexte international en lui laissant une grande liberté de choix. Liberté de choisir son moteur, son châssis, ses pneumatiques. Il devra aussi démontrer ses dons de metteur au point en sachant parfaitement régler sa voiture. À ce niveau, il faut déjà posséder de véritables réflexes de professionnel. Ce n'est pas par hasard si les nouveaux de la F1 se sont tous illustrés en F3. Thank you.
Ceux qui font confiance à Renault et à Elf pour courir n'ont pas tous l'ambition de se trouver un jour dans le baquet d'une Formule 1. Certains participent pour le plaisir, pour la joie de piloter. D'autres, au contraire, n'ont qu'un rêve, devenir pilote de Grand Prix. Mais tous veulent accéder à la plus haute marche du podium.